y va? On fait la vidéo? Bonjour, bonjour mes amis Capricorne. Voilà, on va faire les Capricornes pour l'oncle tirage des énergies du mois de juin 2019. Donc, voilà, je vais utiliser plusieurs jeux. Donc, l'oracle de Sceaux, l'oracle, les cartes divinatoires d'Algariel de mon ami Alcide, Nathanaël. Je vais utiliser un Lenormand pour le oui-non. Puis je vais vous lire une carte, donc une carte de comment ça s'appelle encore, carte d'action et puis une carte pour un défunt éventuellement. Je pense que c'est tout ce que je dois faire. Oh, je crois. Puis après on fera le oui-non. Et sinon je fais un je fais un tirage avec 13 cartes. D'accord, on y va. On se met dans l'ambiance, dans les énergies du mois de juin pour les Capricornes. Juin 2019 pour les Capricornes. Juin 2019 pour les Capricornes. Ok. 2019. Voilà, on y va. Je vais couper. On a le cercueil et la clé. Waouh! Écoutez, ben ici les Capricornes, ce mois-ci, vous allez tourner une page. Vraiment, il y a une page qui va se tourner parce qu'il y a une solution qui va arriver. Donc ce mois-ci, vous allez trouver la solution. J'ai envie de dire, c'est comme si enfin vous allez pouvoir tourner une page. Vous allez, même si aujourd'hui vous allez me dire, mais si il y a quelque chose qui va arriver, qui va. Alors cette carte, elle parle aussi de projets qui sont retardés, entre autres, par exemple. Donc on pourrait dire que vous allez trouver la solution pour pouvoir débloquer certains projets. Quelque chose se terminait et il est possible, donc justement, le fait que quelque chose se termine, eh bien ça va être pour vous la solution. C'est vraiment, et la clé de la réussite. Donc je pense vraiment que voilà, vous allez tourner une page pour aller vers la réussite, vers le succès, vers la chance, vers éventuellement même la notoriété, etc. Ça va être quelque chose qui va aller vite en plus. Plus vite que prévu peut-être. D'accord? Donc voilà, je remélange hein, pour ne pas... Voilà, et puis je mets maîtresse carte. Alors. Une. Deux, trois... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je les remets correctement pour que 1, 2, 3, 4, 5. Normalement, on fait un rond, un cercle. On va faire comme ça. Voilà. Alors, on commence. Moi, je commence toujours par celle du milieu. Évidemment, quand c'est en cercle, vous commencez par celle que vous voulez. Faites attention, c'est la plus importante. Mettre mes pieds à leur place, dans leurs pantoufles, dans leurs chaussons. Voilà. Allez, on y va. Pour les Capricornes. Juin 2019. Alors, on commence avec la lune. Alors, la lune, ça pourrait vouloir dire... Alors, c'est la lame des voyants. Donc, si vous avez des dons ou si vous pouvez lire, vous arrivez à lire dans les cartes, etc. C'est votre carte. Maintenant, ça va me parler aussi d'un délai de un mois. Peut-être pour autre chose. Hein. Mais aussi, c'est aussi parfois... je sais pas si ça va vous parler. Donc, ça peut être une carte qui... des illusions, mais c'est aussi la carte des honneurs et la carte de la notoriété. Donc pour moi, il y a quelque chose qui va... ça peut être aussi quelque chose que...
Justement, qu'on va mettre à la lumière, qui est à l'ombre et qu'on va mettre à la lumière. C'est la carte de la célébrité, je vous l'ai dit. C'est aussi, bon, en termes, entre guillemets, de maladie, alors que, voilà, c'est la carte aussi de gens qui, de personnes qui seraient dépressives, mélancoliques, tristes, voilà. Ça peut aussi me parler d'une personne qui serait froide, fragile, un peu indifférente, etc. Donc, voilà, si ça vous parle. Sinon, moi, j'ai l'impression que cette carte, elle me répond. C'est bizarre, elle me répond à la coupe qui était on tourne une page pour commencer une autre. Et la coupe, c'est que. Voilà, il y a la clé de la réussite et en plus, il y a le succès et la notoriété. Je ne sais pas ce que vous voulez faire. Est-ce que oui, il y a un changement? Maintenant, c'est peut-être à votre poste actuel, vous allez peut-être avoir une promotion. Enfin voilà, il y a des choses qui vont bien se passer pour vous. Après, bah, écoutez, j'ai le cercueil encore. Donc, c'est pour ça que je remélange mes cartes. Parce que si je les pêche, d'abord je les remélange parce que quand on les pêche, si je coupe, je sais d'office quelle carte il y a en dessous. Donc quand je fais ça, je sais que je ne vais peut-être pas aller prendre cette carte-là, ou je vais justement peut-être aller la prendre, puisque je sais ce que c'est. Donc en remélangeant, je ne sais pas où elles sont. Et en plus, elles ne seraient peut-être pas revenues dans le jeu si je n'avais pas remélangé. Donc voilà, moi c'est ma manière de faire. Ou alors, quand je coupe, si on veut, on peut couper et on ne regarde qu'une carte. Et puis on la remet dans le jeu, on coupe. On regarde une carte et puis on la remet dans le jeu. Donc ça peut se faire aussi. Enfin, soit. Alors, ici, donc, je pense que il y a quelque chose. Donc, ah, ça peut être aussi, dans certains cas, ici, la fin d'une maladie, la fin d'une dépression, la fin de troubles. Ça peut être aussi. Enfin, on va tourner une page par rapport peut-être à une certaine mélancolie. Et puis on a l'encre. Il y a quelque chose qui. Alors, je pense que vous allez tourner une page et vous allez vous ancrer. Je pense que vous allez vous ancrer. Il y a. Alors, soit vous allez avoir des liens très forts avec une personne. Alors. On pourrait dire aussi, pour quelques personnes, il est possible qu'il y ait eu un décès et que vous étiez fort, fort attaché à la personne. Hein. D'où justement cette petite dépression, cette petite déprime, cette mélancolie. Ça, c'est possible aussi. Parce que, mais en tous les cas, sinon, ça me parle aussi d'une personne qui est fidèle. Alors, en amour, en travail, en tout ce que vous voulez, c'est quelqu'un qui est fidèle, c'est quelqu'un qui aime aussi la sécurité. C'est quelqu'un aussi de têtu aussi, quelqu'un qui est têtu et qui c'est quelqu'un qui a vraiment confiance en elle. Enfin voilà, c'est aussi le bassin et le bassin et les hanches, si ça vous parle pour la santé. Voilà. Alors, on a la tour. Donc ici, avec la tour, ça va nous parler. C'est bizarre, ça nous parle quand même. Soit on a envie de solitude, on a besoin de solitude, ou alors on manque de liberté pour une sorte ou pour une autre. D'accord? Un manque de liberté. On pourrait peut-être. Je pense qu'il y a des gens parmi vous, les Capricornes, qui vous pensez que, comme si le temps s'était arrêté, qu'il n'y a rien qui avance. Ben, justement, les choses vont changer. Si vous êtes vraiment dans la solitude, peut-être par rapport à votre vie, par rapport à vos amours, peu importe, ça va changer. Ça va changer. Voilà. D'ailleurs, si vous êtes un homme, voici votre dame. Si vous êtes vous, Madame Capricorne, vous voici. Donc, et regardez, on a l'amour, je le savais.
Je le savais. On a l'amour. Donc voilà, c'est magnifique. Il y a les choses, à mon avis, pour certaines personnes, vous étiez vraiment, vous vivez avec des énergies. De toute façon, j'ai un certain âge, j'arriverai pas à trouver quelqu'un. Enfin, voilà, il y a personne. Voilà, les autres, ils font leur. Mais c'est normal, c'est que c'était pas le moment. Donc, il faut vous dire que les choses, on vous les apporte quand c'est le moment. Parce que parfois, quand on va justement trop vite, et ben parfois ça, on se plante. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'il faut réfléchir et il faut parfois laisser aller les choses. Et ici, je pense que vous êtes au bout et vous allez peut-être que vous justement vous vous êtes dit tiens, je vais plus y penser, ça, de toute façon ça sert à rien. À partir du moment où on n'y pense plus, ça arrive. Donc voilà. Et ici, il y a un bonheur en tout cas pour une dame, pour vous, Madame Capricorne, ou si vous êtes Monsieur Capricorne, il y a une dame qui est en train d'arriver. Ou alors, vous êtes déjà avec quelqu'un, vous êtes amoureux. Donc ça confirme. Oups, ça peut confirmer aussi le fait d'être amoureux. Oh, on a le couple. Super. Voilà, on a le couple. Donc c'est magnifique, hein? On a donc, je pense que ça va être un amour partagé. Vraiment, un amour partagé, un amour qui va être stable, un amour qui va être ancré. J'ai le serpent. Attendez. Les oiseaux. Ok. Il y a certainement, pour certains, il y a certainement une femme, ou il va y avoir une femme. Alors, soit vous allez vous disputer avec une dame, ça me parle de sexe et de d'une dame qui n'est pas cette madame-là. Maintenant, il y a peut-être quelqu'un qui vous court après et vous allez vous disputer parce que ça c'est le sexe mais aussi c'est la dispute. Donc vous allez peut-être vous disputer avec cette femme qui veut venir vous faire du mal. Maintenant, j'ai envie de vous dire aussi faites attention parce que il y a peut-être une femme et vous n'en êtes peut-être même pas conscient ou consciente, mais peut-être c'est monsieur, vous n'êtes pas conscient que il y a une femme qui court après vous, et vous, vous pensez, ben non, vous n'avez même pas, vous, c'est une amie ou c'est une collègue, vous n'avez rien vu. C'est possible. Ça peut arriver que l'homme ne voit pas. Parfois, ça peut arriver. Donc, il est possible, mais alors, et peut-être que vous allez vous en rendre compte, et que vous allez peut-être justement avoir une discussion, avec de la parole ici, une discussion. Ça, c'est aussi la carte de quelqu'un qui veut vous dire quelque chose. Donc, il est possible aussi que ce soit une dame qui veuille vous dire quelque chose, mais pour vous un petit peu, pour mettre la zizanie dans votre ménage. Maintenant, ça peut être. Il faut peut-être se méfier d'une dame qui pourrait venir trouver madame ici. Ou c'est une amie de madame de madame Capricorne, ou de votre femme, si vous êtes monsieur Capricorne, ou de votre compagnon, hein, vous savez bien, c'est pareil, on s'en fout. Donc de votre partenaire de vie, ou de votre futur partenaire de vie, il va y avoir des jalousies, hein, il va y avoir des jalousies, parce que je pense que vous êtes monsieur. Je pense plus Monsieur Capricorne ici que Madame Capricorne, mais il y en a évidemment aussi dans les dames. Vous êtes une personne très très convoitée. Donc voilà. À partir du moment où vous allez vous stabiliser, vous poser et vous mettre en ménage, on va dire, ou vous marier, eh bien, il va vraiment y avoir des jalousies. Hein. Et donc, quand il y a des jalousies, il y a des personnes qui vont dire des choses fausses, évidemment. Oh, on a les poissons. Alors, les poissons, à la fois, ça peut être aussi une addiction. Maintenant, ça parle aussi de réussite commerciale, surtout si vous êtes indépendant, si vous êtes à votre compte. Voilà, il va y avoir une réussite commerciale, c'est peut-être aussi une petite rentrée d'argent qui est en train d'arriver. Petite rentrée d'argent.
Ah, on a les souris. Écoutez, une petite rentrée d'argent, peut-être suite à un vol qu'on a commis, une rentrée d'argent, de l'argent qui peut-être vous revient de droit, parce que ça parle aussi de manipulation, d'abus de confiance. Donc, ça pourrait être aussi, parce que cette femme, oui, c'est vrai qu'on dit toujours, cette femme, c'est le sexe, c'est la tromperie, peut-être, mais pas que, c'est aussi peut-être une femme qui vous a tout simplement volé. Alors, elle peut vous voler votre mec aussi, mais voilà. Mais moi, je pense. Ça, attends. Ah, on a la clé de la réussite. Vous voyez, elles sont revenues toutes les deux. Donc, c'est que ça, vraiment, ça doit. C'est que ça devait vraiment sortir. C'est la dernière carte, j'ai pu retourner. Donc, écoutez, de toute façon, ça termine super bien. On termine avec la solution à tous les problèmes. Donc, je pense que s'il y avait problème, ah, ben voilà, on va tourner une page. Et ce sur quoi vous allez tourner une page, pour certains, eh ben, c'est simplement peut-être sur une maîtresse, peut-être pour vous rabibocher avec votre femme ou votre mari. Ici, ça me parle plutôt d'un homme qui a une maîtresse, plus vite que d'une femme qui a un amant. Mais comme c'est un tirage général, ça se peut aussi, hein. Alors, écoutez, pour moi, ah, ça pourrait être aussi. Je vois. Peut-être. Pour certaines, dans certains cas, dans certains cas, oui. Si vous êtes déjà marié et que ça ne va pas trop dans votre couple, eh bien la solution, c'est peut-être de vous séparer. Vraiment, si ça ne va pas, c'est peut-être de vous séparer. Et à ce moment-là, vous avez une maîtresse. Vous n'allez pas, vous n'allez, en général, on ne quitte pas tout pour rien. Donc, si vous quittez, si, quand par exemple une femme a un mari alcoolique qui la frappe toute la journée, oui, bien sûr, on quitte tout pour rien. On a une maison, mais on prend ses gosses bien souvent et puis on ne sait pas où. Maintenant, comment? Maintenant, sinon, en général, quand je dis on ne quitte pas tout pour rien, ça veut dire que soit monsieur ou madame, on a quelqu'un. Donc, voilà. Ou sinon, bah, il y a une raison vraiment, voilà, très, voilà, on ne peut plus se supporter et puis on s'en va. Mais sinon, il y a souvent une maîtresse ou un amant quoi qui est là, en général. Donc voilà. Mais dans ce cas-ci, de toute façon, dans ce cas-ci, pour ce mois-ci, vous avez vraiment la réussite. Hein. Donc moi, il y a l'amour, il y a l'amour, il y a de bonnes bases, de bonnes fondations. On va peut-être aussi refaire, on va peut-être faire une croix, comme je vous disais, donc une croix par rapport à une mauvaise personne qui peut-être vous a volé, tout simplement. C'est peut-être pas une maîtresse, ça vous a volé, mais ça peut être votre confiance, ça peut être volé de votre temps. Voilà. Maintenant, essayez de vous manipuler aussi. Une dame qui a essayé de vous manipuler, vous, monsieur ou madame, Capricorne, et ça a créé peut-être des disputes. Mais là, on termine avec ça. On termine, on tourne la page. Sur ça, et on trouve le bonheur. Donc, on arrête les disputes et les conflits. Ça, pour certains, ça peut être aussi avec une femme, avec votre femme ou avec votre mari. Mais voilà, ici, c'est plus avec une femme. Donc, on va tourner une page avec la personne qui nous peut en plaire, voilà, ou homme ou femme. Donc, vous allez tourner une page par rapport à quelqu'un qui va vous en plaire, et vous allez aller vers un amour qui va vraiment, un amour qui va réussir. Et qui va être stable sur du long terme, d'accord? Maintenant, il peut être possible aussi que vous tourniez la page par rapport à une addiction. Une addiction ou par rapport à un travail. Vous avez décidé de ne plus être travailler pour un patron, vous avez travaillé pour vous, à votre compte. Et vous avez la réussite, hein, c'est sûr, hein, vous avez quand même la réussite. Si vous... Je pense que ce mois-ci, ça va être la réussite dans tout ce que vous allez entreprendre. Oui, ça va être vraiment la réussite dans tout. Oui, même par rapport à la santé, je pense qu'il y a aussi des améliorations. Maintenant, voilà, c'est tout ce que je dis. N'oubliez pas surtout voilà, consulter votre médecin. Je ne suis pas un médecin.
Mais c'est vrai qu'on dirait qu'il va y avoir une amélioration aussi dans votre santé. Moi, j'ai quand même ici un monsieur qui a des problèmes certainement de colonne vertébrale. Ou alors un monsieur très nerveux, peut-être aussi. En tout cas, voilà. Vous êtes, homme ou femme, ici, vous avez la solution. Vous avez vraiment la solution à tous vos problèmes, j'ai envie de dire. Pour le mois de juin, en tous les cas, il y a vraiment une solution. Et c'est la solution qui va vous arriver. C'est vraiment ce que vous désirez. Voilà. Donc voilà, un nouvel amour. Un nouvel amour. Un amour qui va se réancrer. Donc le couple qui va se solidifier. Mais en tous les cas, je pense que ce mois-ci, on va entamer le mois de juin on tourne une page. Ce sera un nouveau cycle. Donc on tourne une page, vraiment. C'est la fin de quelque chose, on termine quelque chose. Donc voilà pour vous, les Capricornes. Alors, on va prendre une petite carte de Alcide Nathanaël. Oh non, il y en a trop. Il y en a trop. En tout cas, ici, j'ai envie de dire que quand même, avec celle-ci, vous allez voir le bout du tunnel. Le bout du tunnel, et vous allez le voir. Comme un jour, quelqu'un m'a dit, et c'est vrai, quand on ne voit pas le bout, on n'en voit pas le bout, on est dans un tunnel depuis des années, on n'en voit pas le bout. Eh bien oui, vous allez en voir la fin parce qu'en fait, on est dans un tournant. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas le bout, parce que dès qu'on va tourner après, on va le voir. Il est tout près, un petit peu plus loin, mais il est là. On voit la fin du tunnel. Voilà. Et donc ici, ça va me parler tout à fait. Ouais. Donc on va trouver la sortie ou trouver l'entrée. On monte ou on descend. Donc on va sortir de quelque part ou on va entamer un autre. On va monter. D'accord, on ne sait pas. C'est vous qui savez. En tous les cas, vous allez vraiment aller vers autre chose. J'ai envie de dire ici, cette carte pourrait me faire penser aujourd'hui, réfléchissez vraiment, réfléchissez. Parce que ici, normalement, c'est le chemin. Là, c'est le chemin. Et moi, là, j'ai à avoir un flash comme si il n'y avait rien, c'est le vide. Donc si vous descendez, vous allez tomber. Donc réfléchissez, peut-être ça parlera à une personne, mais réfléchissez avant d'agir parce qu'il y a une personne qui va peut-être se planter. Donc réfléchissez. Si vous réfléchissez, vous ne vous planterez pas. D'accord? Sinon, vous allez prendre le bon chemin pour entrer ou pour sortir là où vous voulez. Là, ici, aujourd'hui, avec mon ressenti. Ces deux-là, moi, ça me fait penser quand même à une protection. Bon, pour moi, ici, il y a quelqu'un qui est décédé qui vous protège. C'est quelqu'un qui est décédé qui vous protège, pour moi. Donc, voilà. Et bon, je pense qu'on va vous aider à vous guider. Donc, j'ai envie de vous dire que enfin, c'est bien toujours de rester sur sa première idée. Si on a une idée et puis après, on dit, ouais, je prends la rouge, je prends la rouge, je prends la rouge. Puis après, je dis, oh non, 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 je vais prendre la jaune. Et bien après, vous allez regretter parce que vous n'aurez pas pris la rouge. Donc, parfois, si vous ne savez pas vraiment, ben, restez sur votre première idée. Même s'il faut revenir, voilà, il faut rester sur la première idée. Alors, on va prendre une carte pour. Encore! Mais je pense que je l'ai eu chaque fois, moi, celui-là, dans les tirages. Je pense que j'ai eu chaque. Dans tous les trucs, j'ai eu cette carte. Mais écoutez, c'est la carte qui nous dit, ben, ici, qu'est-ce que je fais pour mon ressenti ici? Ici, par rapport à ce tirage, cette carte, elle va me parler. Je pense que vous allez être guidé. Comment est-ce que le mot sans en avoir conscience. Vous allez peut-être. Alors, vous allez vous.
où vous allez être hypnotisé. Donc, soit vous allez être hypnotisé par une personne qui va avec qui vous allez faire un bout de chemin, soit vous allez hypnotiser, je dis hypnotiser, mais on se comprend, hein, hypnotiser une personne et vous allez qui viendra avec vous. Elle va être hypnotisée par vous, elle va être, voilà, elle sera plus passée de vous et vous allez, elle va vraiment vous suivre, cette personne. Voilà, où vous allez la suivre, cette personne. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir un, je sais pas, une attirance incroyable. Alors, il se peut aussi que vous pourriez être marié et tout d'un coup vous rendre compte parce que, ben, parce que peut-être il y a quelque chose qui s'est passé, peu importe quoi, et vous allez vous rendre compte que, mais vous êtes très amoureux de votre femme ou très amoureux de votre mari, plus que vous n'auriez pensé. Il a fallu qu'il arrive ça pour que vous vous en rencontriez. Ça se dit? Pour vous en rendre compte. Je pense, oui. Oui. Oui, parce que y a, pour certaines personnes, j'ai deux fois la tour ici. Voilà, c'est le phare. Mais. J'ai quand même deux fois la tour, donc il y a quand même, alors soit un problème de colonne vertébrale, soit il y a un événement, ça c'est aussi la carte d'un événement, des événements constructifs. Donc je pense qu'avec ces deux-là, vous allez vraiment, il va y avoir quelque chose qui va vous faire rendre vous obligés à vous rendre compte, je ne sais plus comment on parle en français en fait. Donc, il va arriver quelque chose qui obligatoirement va vous faire prendre conscience, on va dire ça, que vous aimez vraiment la personne que vous avez épousée et que finalement le reste n'a aucune importance. Et donc, du coup, vous allez reprendre le chemin. De la raison, on va dire. On va dire, hein, de la raison. Pour certains. Quand même. Oh. C'est le donjon. Oh. Bon. Écoutez, moi j'ai quand même l'impression qu'il y a une protection vraiment. Alors, peut-être une protection d'une personne qui est déjà partie, parce qu'en plus la carte que j'avais après, c'était encore ce que je viens de les mélanger. Mais où est-ce que tu es toi? Voilà, j'avais celle-ci, la suivante. Bon, voilà. Mais bon, il y a une personne qui est partie qui vous protège, mais pas que, pas que. Il y a quelqu'un de. Alors, ici, ce qui vous protège ou ce qui va vous faire entendre raison ou vous faire retrouver la raison, c'est votre spiritualité. D'accord? C'est peut-être votre spiritualité. Ou vous allez peut-être vous poser et réfléchir. Et vous allez vous rendre compte que. Ben, du chemin que vous devez prendre, vous allez vous en rendre compte. Mais en fait, la personne qui vous dirige ici, j'ai bien l'impression que c'est qu'un protecteur, un guide, votre guide. Enfin, voilà, selon votre religion, ce sera, ou si vous n'avez pas de religion, on pourra dire l'univers, ou. Oui, l'univers. Enfin, voilà, vous allez vraiment être bien, bien guidé. Voilà, vous allez retrouver la raison, les amis. Bon, hop. Alors, on va regarder un petit peu ici ce que je pourrais dire de plus par rapport à ce tirage. J'ai ces deux cartes qui sont tombées. Ah, on a l'élévation, donc ici, c'est très bien. Alors, on a l'élévation et l'échelle et la communication. Donc ici, il y a vraiment ben, une belle réussite, un bel épanouissement. Alors, ça peut être dans le travail.
peut-être dans un nouveau travail. Ça peut être, en tout cas, vraiment, ce mois-ci va être très très bon. Hein. Il va être très bon. Hein. Vous avez la clé de la réussite, vous avez l'amour, vous avez l'amour qui va s'ancrer. Donc, si vous allez peut-être, si vous êtes seul, vous allez rencontrer une personne. Ben voilà. En tout cas, ce qui va se passer dans votre vie à vous, ce sera quelque chose de positif. Et puis, vous allez vers l'élévation et la communication. L'élévation, pour moi, c'est grâce à la communication. Ça peut être tout simplement une discussion avec votre partenaire pour justement se dire que, écoute, voilà, moi, tu es comme ça, ben, il faudrait que tu changes si tu arrives à changer parce que si tu continues à sortir tous les jours tout seul, moi, je vais pas rester à la maison en t'attendant. Alors, soit tu ne sors plus, ou soit ben, on se quitte, ou soit ça peut être ça, ou ça peut être autre chose. Hein. Ça peut être dire. Écoute, laisse-moi aller faire ce travail-là. J'ai envie de m'épanouir dans mon travail. Je sais que toi, tu réfléchis, tu as peur que je me plante et que j'use peut-être des sous pour rien, mais laisse-moi faire. Et franchement, vous avez raison parce que vous allez vraiment vers la notoriété, vers la réussite, hein, de toute façon. Alors, si vous avez envie de concrétiser un nouvel emploi, moi, à mon avis, ce sera concret en hiver. Ce sera concret en hiver. J'ai un jeune homme ici, peut-être un ado, votre fils peut-être. Alors, j'ai ça, donc, et ça me parlerait peut-être d'une maladie. Pas d'une maladie, non. Il y a peut-être. C'est peut-être un jeune homme ici. Il y a peut-être un jeune homme et une jeune fille, peut-être des enfants, peut-être le petit copain de votre fille ou la petite copine de votre fils qui pourrait justement. Faites attention, parce que c'est peut-être. Il va peut-être y avoir des soucis avec l'un ou l'autre, d'accord? Mais non, je vais pas m'éterniser. J'ai pas envie de m'éterniser là-dessus parce que. Ça, c'est pas chez tout le monde. Donc vous verrez s'il y a une nouvelle petite copine ou un nouveau petit copain ou même un ancien, si vous avez déjà des doutes quant quant à sa bonne pas réputation, mais voilà, s'il n'a pas un casier judiciaire ou elle, je sais pas, des trucs comme ça, peut-être que vous avez raison, d'accord? Donc je pense qu'il y a des choses, peut-être que vous allez regarder un peu plus de plus près, ou alors c'est une personne qui manipule l'autre. Donc si vous avez des enfants qui sont mariés, pas des enfants, même si vous n'avez pas des enfants, ça peut être quelqu'un de jeune qui vient près de vous, que vous connaissez, et peut-être qu'il va venir se confier à vous d'une certaine malhonnêteté. Moi, ici, cette carte me parle aussi de vol et celle-là aussi. Donc, moi, j'ai vraiment. Voilà. Je ne sais pas. Vous verrez ce que ça vous dit. Alors, festivité et l'automne. Donc, ici, je pense qu'il est possible qu'à l'automne, du coup, vous fassiez des festivités comme une pendaison de crémaillère ou par rapport à votre nouvel emploi. Attention, le temps, c'est toujours délicat avec les cartes. Hein, donc, ça peut être aussi, du coup, si on prend l'automne, mais on peut aussi prendre l'hiver. En se disant, oui, c'est l'hiver, mais ça peut être la saison de l'hiver, mais ça peut être aussi de maintenant jusqu'à dans 3 mois. Donc peut-être que ça va aller plus vite que prévu aussi. Que ce soit l'automne ou que ce soit l'hiver, on peut dire, c'est de maintenant à 3 mois, à dans 3 mois, où ça va être à ce moment-là. Peut-être que vous attendez, pour certains, vous attendez quelque chose, des papiers, de l'administratif. Vous attendez peut-être de l'administratif et vous allez pouvoir, à ça, suite au résultat des papiers, ça peut être une démarche judiciaire, ça peut être n'importe quoi. Il va y avoir quelque chose qui va être tranché, qui va être décidé. Alors, si on prend la personnalité de cette carte-là, par rapport à la personne, c'est une carte, ça représente une personne qui est droite, qui veut se faire respecter, qui veut qu'on respecte. C'est une personne qui est juste, qui décide, qui est stable dans sa vie.
Voilà, donc c'est quelqu'un qui pourrait, entre guillemets, faire la loi. Il peut évidemment ici s'agir d'un procès ou de certaines procédures juridiques ou administratives qui sont en cours, mais je pense que ça va être fini parce que vous allez pouvoir enfin prendre votre destin en main. Vous ne saviez peut-être que c'est ça que vous attendez et ça va arriver et vous allez pouvoir faire ce que vous avez envie, du coup. Comme, ah ben voilà, on a les deux en même temps. Alors ici, ça parle de mise en retraite éventuellement. Et avec le repos, moi j'ai envie de dire que je pense qu'une fois que vous aurez les résultats judiciaires, juridiques ou administratifs, vous allez souffler et vous allez vraiment vous reposer. Et vous allez trouver la sérénité. D'accord? Avec ces deux cartes-là. On a le repos et puis on a des petites vacances où on va se prendre un petit peu le temps, où on va rien faire. Alors, on a ici une association, peut-être une association de travail, ou alors c'est un arrangement judiciaire. On va peut-être pas aller jusque la justice, du coup, on va peut-être arranger les choses soi-même. Il va peut-être y avoir une certaine complicité aussi. Je disparais. Alors, il y a quelque chose qui va être révélé, ça c'est sûr. Ça me parle aussi, évidemment, de spiritisme, de voyance, etc. Mais ça me parle aussi cette carte de médecine parallèle. Une médecine parallèle, quand je vous disais méditer, voilà, on médite, la consultante, j'arrête après. Et puis, ici, le caducée, donc ici, ça va me parler dans le travail, donc de médecin, de profession libérale. Alors, médecin, avocat, juge de paix. En tout cas, une personne qui prend des décisions. Donc, ça me confirme avec la justice. Mais c'est peut-être vous aussi qui allez écrire, qui allez. C'est peut-être vous, hein, qui êtes la personne qui va mettre les choses en place. D'accord? C'est peut-être vous. Donc voilà, je m'arrête là pour ça. Ensuite, on va lire la petite carte. Non, celle-ci d'abord. Donc, je passe à l'action. Je prends celle-ci, c'est pas celle-là que je voulais prendre en plus. Mais non, je la prends puisque je l'ai regardée. Y a deux que je voulais prendre. Donc voilà, c'est celle-là que je voulais prendre à la base et j'ai regardé ça. Donc c'est elles doivent vous parler. Alors on a d'abord ici exprimé vos rêves. Vous avez envie de mettre vos rêves en lumière. Ne vous retenez plus. Formulez vos rêves, écrivez-les, dessinez-les et documentez-les. Exprimer vos rêves vous permettra de les faire passer du virtuel au réel et de les rendre légitimes à vos yeux et aux yeux de tous. Donc, allez-y, c'est le moment. Et ici, ayez le courage de vos pensées. Vos pensées vous offrent des points de repère sur votre état d'esprit. Accueillez-les sans jugement et cherchez à comprendre l'essence des messages qu'elles vous livrent. Elles vous aideront à agir avec courage et discernement dans la situation que vous vivez. Ça parle bien aussi par rapport au tirage. Voilà. Alors maintenant, je fais la carte du défunt, donc un message d'un être cher, ou ça peut être une personne qui va venir vous faire un message qui n'est pas la personne que vous pensez et que vous désirez, mais... Voilà, c'est un message qui va arriver. Il faut que je me mette dans les énergies. Voilà, mon esprit est libre. Et si vous pouvez remarquer, on a... Ici, pour moi, c'est une fenêtre, c'est comme une... Comment on dit?
quand on pour tirer là. Allez. Allez, dans les châteaux là. Il y a des petites fenêtres étroites pour. Enfin, vous savez ce que je veux dire. J'ai oublié. Du coup, votre esprit est libre et ça me fait penser à la carte que j'ai tirée de d'Alcide que j'ai qui était tombée, je pense, avec les escaliers, vous voyez. Enfin, soit, vous vous souvenez, hein, que je vous avais dit. On descend ou on tombe et je la trouve plus du coup. Attendez 30 secondes. Évidemment, je ne la trouve point. Ah, c'est comme ça, toujours comme ça. Alors, où tu dois? Ben enfin, dis donc. Pas normal ça que je ne la trouve pas. Voilà. Vous voyez? Une meurtrière, voilà, une meurtrière. Donc, vous voyez, c'est quand même assez. Donc, j'ai l'impression, votre. Alors, le défunt ici, il vous dit, c'est ce que le défunt vous dit, mon esprit est libre. Donc, ça veut dire que, pour moi, en tous les cas, si l'esprit du défunt est libre, ça veut dire que il n'est peut-être plus conditionné. Il n'est peut-être plus conditionné, il voit peut-être les choses de la manière dont il aurait dû les voir de son vivant. Ou alors il vous dit tout simplement, je suis parti. Je suis parti. Je suis parti vers la lumière. Voilà. En tout cas, moi, c'est mon ressenti. Ah, je vais vous parler de celle-là parce qu'elle était là. Et alors, il vous dit, ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas de ta faute. Bon, alors, le oui ou le non. Mon esprit est libre, quand je vous dis ça, c'est aussi, ça me parlera du coup de liberté. Vous êtes libre de descendre ou de monter, ou de partir. Voilà, c'est vous qui savez. Alors, vous posez votre question fermée, qui demande pour réponse oui ou non. Fermé. Donc, est-ce que ceci, est-ce que cela? Pas est-ce que ça va être jaune ou rouge, hein? Parce que si vous dites ça, moi je saurais que vous dire que oui ou non. Ou rien du tout, parce que si je n'ai pas la croix ni l'anneau qui sortent, donc il faut que l'anneau ou la croix tombe quand je mélange, qu'elle se retourne comme ça, mais ce n'est ni l'un ni l'autre, ou qu'elle soit dans la coupe. Voilà, on y va. Alors, la coupe, on a le nom. On a le nom. C'est non, les amis. Ben, j'espère que c'est ce que vous vouliez entendre. Hein. Donc, voilà. C'est non. C'est pas le moment. Voilà, tout simplement. Bon, je prends ma souris. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un magnifique, magnifique mois de juin, les Capricornes. Et puis, voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et sinon, ben, on se retrouve dans une autre vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous souhaite tout le bonheur du monde. Surtout, soyez positifs. Bisous, bisous.